Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus, pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien. Et là tout de suite nous allons parler de Maze. Maze, un rappeur de la grande époque de Bad Boy Entertainment. Mais avant toute chose, un peu de publicité. Mon nouveau clip est dehors, mon nouveau clip s'appelle Costaud Remix. Remix parce que je suis avec Jimmy Sissoko et Touko sur ce morceau incroyable. Allez voir le clip, il est sur ma chaîne Driver Drive-By. Voilà, le morceau s'appelle Costaud Remix et c'est moi-même Driver, toujours tiré de mon EP, pour toujours. Maintenant, nous pouvons parler de Maze. Alors, Maze est un rappeur qui est né à Jacksonville, en Floride, ok? Mais vers l'âge de 5 ans, il déménage avec sa mère à New York, et plus précisément à Harlem. Harlem, j'en parle souvent ici, c'est un coin de New York important pour la culture rap, même si on sait qu'il est né dans le Bronx. Mais disons que Harlem l'a... pas magnifié, mais ils ont ramené un truc très très fashion, pas fashion dans le contexte d'aujourd'hui. Quand on dit ah, il est habillé fashion, il est habillé d'une certaine façon, non, c'est que ils ont dit le hip hop c'est pas juste une musique, c'est aussi un style de vie, une façon de s'habiller et tout. Et les gens de Harlem ont toujours été très flamboyants dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'être, dans leur façon de bouger. Donc voilà, Harlem, c'est un endroit où on aime bien être frais, on aime bien se la raconter et tout, machin. Voilà. Et c'est surtout aussi un endroit, enfin, certains endroits d'Harlem, c'est ghetto. C'est des endroits difficiles. Et Maze, l'endroit où il va habiter, c'est un de ces endroits ghetto, donc compliqué. Il va évoluer là-dedans comme n'importe quel jeune et il va aimer le sport et notamment... le basketball, il va être très très bon. C'est vraiment un garçon très très doué, très jeune, très fort. Et il rencontrera le rappeur Cameron, qui n'est pas encore un rappeur qu'on le rencontre, mais qui est aussi un basketteur très doué. Et ils seront tous les deux ensemble et ils iront jouer partout, même en club. Et j'allais dire, on leur prédit un avenir. Non, les gens savent qu'ils sont super doués. Mais le basket, ça dépend pas que de ça. Bien sûr, il y a le sérieux et tout ça, nanana, les rencontres, se faire détecter, repérer. Mais il y a quand même un facteur très important. La taille. Et Maze n'est pas grand. Cameron n'est pas grand. Quand je dis grand, ça veut dire géant en fait. Les basketteurs, c'est souvent des gens qui font à peu près 2 mètres. Donc du coup, pendant qu'ils jouent au basket, ils se mettent à rapper aussi, parce qu'ils aiment ça, ça arrive jusqu'à eux, ils aiment ça, ils aiment le faire. Notamment Maze, un spécialiste des battles, c'est un battle MC. Lui, dès qu'il entend à New York, ouais, il y a un tel et un tel qui sont très forts, il dit, ok, je veux les battles. Je vais leur montrer que c'est pas eux les plus forts. Donc, il fait ça, et des fois même ça part en embrouille, tout ça, parce qu'il y a des gens qui acceptent pas trop de se faire mettre à l'amende. Et en même temps, il y a le basket, et tout d'un coup, ils comprennent tous les deux, donc Maze et Cameron, qui ne seront pas en NBA. Parce qu'ils sont pas assez grands. Donc il commence à se dire, bon, on devrait faire ce rap-là plus sérieusement, parce que ce rap peut remplacer nos rêves de basket. Le basket, c'est mort, on veut être des stars du rap. Voilà, donc ils vont se mettre à rapper plus sérieusement et ils vont fonder un groupe, j'en ai déjà parlé dans la spéciale Big L, je pense, qui s'appelle Children of the Corn. Il y avait notamment dans Big L, c'est pour ça que j'en ai parlé dans la spéciale Big L dans le groupe. Et Big L, il y avait McGruff, il y avait Cameron, Maze et un autre qui a fait moins de bruit plus tard, c'est pour ça que j'ai plus son nom, mais il sera marqué. Et voilà, ils font ce groupe, ça fait des mixtapes, ça rappe un peu, voilà, c'est dans le coin, Harlem, New York, ils essaient de faire un peu leur truc. Et il se trouve que pendant cette période-là, il y a un moment où Damon Dash, qui plus tard sera donc un boss de rock, un des boss de Rockefeller, va être le manager de ce groupe, Children of the Corn. Ils vont tourner un peu à droite à gauche et à un moment, Maze va rencontrer un mec qui s'appelle Kuda Love. Kuda Love, à ce moment-là, il est tour manager de Notorious B.I.G. Il trouve des concerts à droite à gauche pour Notorious B.I.G. Et Notorious B.I.G. est déjà signé chez Bad Boy. Donc chez Puff Daddy et tout. Et ce Kuda Love, il va dire à Maze, il y a une grosse conférence à Atlanta.
tel jour, viens. Moi, j'adore ce que tu fais. Faut que tu rencontres des gens. Faut que tu sois à cette conférence à Atlanta. Il y aura plein de producteurs et tout. C'est important pour toi. Donc, May se prend la tête pour aller à cette conférence. Il retrouve Koda Love. Et Koda Love lui dit, bah super, je suis content que tu sois venu. Je vais te présenter à Puff Daddy. À ce moment-là, Puff Daddy, c'est le producteur à New York. Bad Boy Entertainment, Biggie, à ce moment-là, c'est le label qui rend l'appareil à Def Rose sur l'autre côté. Donc voilà, pas besoin de vous dire dans quel contexte on est. Quand Koda Love dit à Maze, je vais te présenter Puff Daddy, Maze est comme un fou. Il se dit, c'est la chance de ma vie. Donc, il ramène de Maze à Puff Daddy en lui disant, voilà. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est important, Maze, il s'appelle pas Maze, il s'appelle Murder Maze. Il raconte quand même la rue, tout ça. C'est assez... Dans les lyrics, c'est un peu hardcore. Donc, il s'appelle Murder Maze. Koda Love présente Maze, Murder Maze, à Puff Daddy. Il dit, voilà, Puffy, ça c'est un rappeur, il est trop fort, faut absolument que tu l'écoutes, à ce que je pense qu'il peut t'intéresser. Et Puffy lui dit, comment tu t'appelles? Et lui il dit, Murder Maze. Et Puffy dit, j'ai déjà entendu parler de toi. Et l'autre dit, Maze dit, ah bon? Il dit, ouais, j'ai entendu ton nom dans New York, c'est toi le mec qui sonne comme Jadakiss? Oh, ça a tué Maze. Il dit, non, je sonne pas comme Jadakiss et tout. Bon, personnellement, je trouve qu'ils ont... Il y a des ressemblances dans la voix et dans ce côté laid-back dans le flow. Maze, chez Bad Boy, en tout cas, il arrive avant The Lox. Ça sort avant The Lox. Donc moi, je découvre Maze avant The Lox. Okay? Et quand j'entends The Lox, j'entends Jadakiss, je me dis, ah ouais, en ce moment, il y a une vibe à New York, ils rappent tous pareil. Parce que Puffy, il rappait comme ça aussi. Donc moi, j'entends Puffy, Maze et Jadakiss avec ce truc un peu laid-back, paresseux. Ce flow new-yorkais, mais paresseux. Et j'étais en train de me dire, ah, ils rappent tous pareil. Donc moi, je vois ce qu'il veut dire, Puff Daddy, quand il dit ça. En tout cas, Maze le prend pas super bien, mais il se dit, hey, c'est Puff Daddy, c'est la chance de ma vie. Donc il se dit, ok. Je vais rapper. Et il freestyle devant lui, il freestyle. Puff Daddy lui dit, t'es super chaud. Quand on rentre d'Atlanta, chacun de nos côtés, contacte-moi, j'ai un contrat pour toi. Je veux te signer. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver chez Bad Boy. Alors, Maze signe chez Bad Boy. J'aime bien cette époque. Pourquoi j'aime cette époque? Je m'explique. C'était une belle façon de breaker, comme on dit là-bas, d'imposer ces nouveaux artistes. À cette époque-là, j'en parle souvent aussi. Ici, il y avait les bandes originales de films qui étaient très importantes, qui étaient des belles plateformes. Mais il y avait aussi le featuring. Ça veut dire mettre ton nouvel artiste sur des morceaux d'artistes connus. Ou peut-être moins connu, mais sur des morceaux qui sont censés être des hits, sachant que le morceau va être clippé, que le morceau va passer à la radio, et que le nouvel artiste sera en featuring dessus. Et j'aimais beaucoup ça. Et ça a été fait vraiment en grandeur, c'est énorme, chez Def Row, quand Dr. Dre sort son premier album solo de Chronique, et qu'il y a Snoop Dogg qui est présent sur quasiment tout l'album, ça met une grosse lumière sur Snoop, et quand Snoop sort son album, c'est un carton. Donc là... Bad Boy à Biggie. Donc c'est important, ça sera important de coller Maze à Biggie. Mais surtout, au moment où Maze arrive, Bad Boy sort un nouveau groupe de R&B qui s'appelle 112. Et notamment un morceau qui s'appelle Only You. Only You, la version originale featuring Notorious Big. C'est tout. Ok, le single sort en même temps qu'un morceau de Montel Jordan qui s'appelle I Like. C'est important ce que je vous dis là. Le morceau de Montel Jordan est dans la bande originale du Professeur Folding. C'est un carton. Ils ont le même sample que 112. Et pour une première fois, Puffy est dépassé par Montel Jordan de chez Def Jam. Mais quand Puffy est dépassé, il se bat. Donc il se dit, on va remixer le morceau. Donc on va utiliser notre musique. Ça sera pas le même sample que Montel Jordan du coup.
Et sur ce remix, il garde le fameux couplet de Biggie, Jesus, The Notorious Just. On le garde, mais on rajoute le nouvel artiste, Maze. Only You Remix. Slim du groupe 112 raconte dans une interview récente la fameuse séance ce jour-là. Biggie était dans le studio, Maze était en train d'écrire son couplet, Puffy était là, il y avait donc 112, et Puffy dit à Maze, alors que Maze n'a pas fini d'écrire, vas-y, dis-moi ce que t'as déjà écrit là. Vas-y, Maze, il dit, ouais, j'ai 4 mesures, 5 mesures et tout, j'ai pas fini. Vas-y, rappelez-moi. Et il commence son couplet, et Puffy dit, c'est de la merde, tu recommences ça là, hey, tu te rends pas compte ou quoi? Je vais te mettre sur un gros single, il y a Biggie sur le morceau, t'es malade, tu dois faire mieux que ça, là c'est de la merde. Et c'est vraiment les 4-5 premières mesures qu'on entend sur le morceau final, que je trouve super bien. Puffy trouvait que c'était de la merde. Qui a sauvé Maze ce jour-là? C'est Biggie. Biggie l'a écouté, il a dit, hey, t'es malade ou quoi? Tue ses premières mesures. Laisse-le faire son truc. Laisse-le terminer le couplet, après on verra. Tu peux pas directement lui couper l'herbe sous le pied alors qu'il a pas fini. Il est dans son truc, laisse-le. Puffy écoutera Biggie, ok, vas-y, je le laisse. Et il fera le couplet qu'on lui connaît, qui est un couplet magique. Et merci Biggie pour ça, parce que si Biggie n'était pas dans le studio ce jour-là, on n'aurait peut-être jamais entendu ce couplet. Bref, le morceau Only You de 112 sort, c'est un carton, et ils font le clip, et Maze est frais dedans, et ils lâchent son couplet et tout, et tout le monde dit, qui est ce mec? On en veut plus. Malheureusement, Biggie va mourir, vous connaissez l'histoire. Puff Daddy va se lancer dans son album solo, alors qu'il est producteur, il va vouloir être rappeur. Il avait commencé l'album, même pratiquement fini, pendant que Biggie était vivant. Biggie l'a beaucoup aidé, il a écrit des trucs, et il a réalisé des trucs et tout. Et il se trouve que Maze est assez présent, et notamment sur des singles comme « Can't Nobody Hold Me Down », sur cette reprise de Grandmaster Flash, moi un morceau que j'ai saigné, que je trouve magnifique jusqu'aujourd'hui. Et surtout, avec un clip incroyable, on a pu voir la gestuelle de Maze, sa façon de danser. Et je trouve que Puff Daddy s'est beaucoup inspiré, il s'est même pas beaucoup inspiré, il a commencé à imiter Maze. Et du coup, eux deux ensemble, je trouvais que c'était vraiment magique. Quand les deux dansaient, il y avait un truc. Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu clownesque et tout. Moi, je trouvais qu'ils avaient trop de style, vraiment. C'était magnifique. Et cette alchimie-là, ils l'ont gardée sur le morceau More Money More Problem sur le deuxième album de Biggie. Malheureusement, quand il tourne le clip, Biggie est mort. On les voit en train de danser, des chorégraphies. Puffy et Maze, c'est un vrai duo. Moi, quand je les vois, je suis content. Il y a une joie de vivre, ils dansent, ils sont joyeux. Les mecs sourient tout le temps. Et vraiment, il y a un truc incroyable. Et pour la petite histoire de More Money More Problem, c'est vraiment, tout est une idée de Maze. C'est Maze qui ramène l'idée. En tout cas, l'idée de la musique, il dit qu'il faut sampler ce truc de Diana Ross, il faut qu'on rappe comme ça, tel flow et tout. Et là où Puffy il est fort, c'est Puffy qui ramène l'idée de More Money, More Problem en écoutant une interview de Biggie. Et on la voit dans le clip, cette interview, où il dit, ouais, plus t'as d'argent, plus t'as de problèmes, quoi. Il s'est dit, ah, ça c'est un thème de chanson et tout, et voilà. Mais en tout cas, tout le truc de Diana Ross, l'idée, le concept, c'est Maze. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a toutes ces choses-là. Maze est en train d'exploser. Il n'a pas encore sorti son premier album. Et c'est de ça que je vous parle quand je vous dis que j'adore cette époque où on travaillait l'arrivée des artistes. Aujourd'hui, je trouve que t'es nouveau. On t'envoie dans la fosse au lion. Ça prend, tant mieux. Ça prend pas, salut. On cherche un autre et tout. Ça m'énerve un peu. Avant, on prenait le temps de travailler l'arrivée et d'imposer son artiste alors que le premier album était même pas sorti. Créer vraiment un buzz énorme avant la sortie de l'album. Et ça, c'est ce qui se passe à ce moment-là. On attend le premier album de Maze. Alors, ça y est, le premier album de Maze va sortir et il s'appelle Harlem World. Je me jette dessus, bien sûr. Je suis comme un fou. Le truc, c'est qu'il faut resituer le contexte. Tupac et Biggie sont morts. C'est électrique. Le milieu du rap, il est électrique. Ou t'es avec la East Coast,
ou t'es avec la West Coast. Quand tu viens ni de l'un ni de l'autre, parfois on te force à prendre parti et ça dépend des featuring que t'as sur ton album. Si t'as un mec de Houston et t'as un feat avec un mec de Death Row, ça veut dire que tu soutiens Death Row. Si t'es un mec de Houston et t'as un feat avec un mec de Bad Boy, ça veut dire que tu soutiens Bad Boy et la East Coast. C'était bizarre, c'est-à-dire East Coast contre West Coast, mais qui essayait quand même d'impliquer les gens qui étaient au milieu, qui avaient rien à voir. Et puis surtout, il y a eu des morts, tout ça, c'est vraiment très très étrange. Et les gens de la East Coast ont peur d'aller sur la West Coast faire de la promo. Les gens de la West Coast ont peur d'aller sur la East Coast faire de la promo. Maze, il sort son album dans ce contexte-là. Un truc qui est important de dire, c'est qu'à partir du moment où il signe chez Bad Boy, Puff Daddy dit « Enlève le murder, tu es Maze, c'est tout ». Et je vais t'amener vers un truc plus global, plus grand public. Donc les trucs de rue, moins. Tu as rappé pour les filles, tu as rappé pour les clubs. Donc Maze est souriant, Maze danse tout le temps, Maze n'est plus murder. Il sort son album et le premier single, ça sera Feel So Good. Je rappelle, je vois le clip, un vrai clip à la Bad Boy. Ça brille, bling, ça danse. Il y a des shiny suits, il y a des vraiment, c'est le du pur Bad Boy. Voilà. Je rappelle que l'album de Puff Daddy et le premier album solo de Puff Daddy est sorti et c'est un carton et Maze est dedans. Donc c'est juste la suite logique. Quand je vois le clip de Feel So Good, c'est la suite logique de tout ce qui a été fait autour du premier album de Puff Daddy qui est un carton. L'album s'appelle No Way Out. C'est son meilleur album pour moi jusqu'à maintenant. C'est un blockbuster, c'est un carton. Et en vrai, il y a le clip de Can Nobody Hold Me Down. Mais il y a aussi le clip de Been Around the World. Puffy featuring Maze et Biggie qui fait le refrain. Un clip incroyable. Et tout ça, ça met bien Maze. Et Maze est fly, brillant, flashy, tout ça, flamboyant. Comme dans Feel So Good, le premier single de son album. Donc moi, j'adore le morceau. Petite anecdote de studio. Quand Puffy lui donne l'instru, il dit « Voilà, faut que tu rappes sur ça, on va faire un hit. » Maze, il dit « Ouais, je suis pas sûr de vraiment aimer, mais je te fais confiance. » Donc il se met à écrire, il écrit un couplet. Il se dit « Mais ça va être quoi le refrain ? J'ai pas d'idée de refrain. » Puffy lui dit « T'occupe pas du refrain. » Rap seulement. Donc, écrit encore. Donc, il écrit les autres couplets, sans refrain, sans avoir vraiment de direction, il sait pas où il va, mais il donne les couplets, il les enregistre. Maintenant, Puff Daddy dit, c'est à moi de faire mon travail avec mon équipe, tu peux partir. Et là, Puff, il a la vision du refrain, truc, a bad, 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 bad boy, you make me feel so good. Tout ça, là, il ramène une fille pour chanter, blablabla, Puffy lui-même s'incruste un peu dans la chanson, dans ce qu'on appelle le pont, ce passage du morceau. Et bref, à la fin, on a un hit. Il clip, le morceau prend, l'album prend. L'album est un carton. Pour moi, c'est un classique. En tout cas, c'est un classique de Bad Boy sûr. L'album fera 3 fois platine. Il est peut-être encore plus aujourd'hui, mais c'est un carton et ça m'a permis d'entendre Neptune sur le morceau Looking at Me. Bon, à cette époque-là, je sais pas qui sont les Neptune, mais je sais que j'aime bien ce morceau. Le morceau Looking at Me, je dis, ah, il est bien. Il y a des morceaux comme 24 Hours to Live, featuring The Lox, avec le fameux Jadakiss, et DMX. DMX et Maze s'aimaient beaucoup, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, et voilà, ils ont beaucoup collaboré. Moi j'aime tout l'album, hein. Il y a bien sûr le morceau avec Total, What You Want, gros hit, vraiment Maze. Il y a un morceau avec Jay-Z, Cheat On You, Jay-Z et 112. Il y a ce truc vraiment de Bad Boy, c'est-à-dire le rap et le R&B, on mélange et ça fait des morceaux radio et tout. Et vraiment c'est un carton. Et il y a le morceau Jealous Guy qui termine l'album où Maze chante. Où il parle des mecs jaloux parce que Maze est réputé pour coucher avec des filles qui sont déjà prises. Donc il a fait une chanson où il se moque de ces mecs qui sont jaloux.
Ça aura des répercussions, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, l'album est cool, l'album est marrant, l'album est sexy, et l'album est un succès. C'est un carton. Maze, dès le premier album, devient une superstar du rap. Et surtout, il a ce flow, je vous le dis, paresseux, nonchalant, mais en même temps, il danse et tout, ça fait qu'il y a une énergie et tout. Moi, je suis conquis. J'aime beaucoup Maze, dès le premier album. Pour vous dire la vérité, même avant le premier album, les quelques featuring qu'il a fait, j'étais comme un fou. Donc voilà, gros succès sur ce premier album. Maze est bien en place. Alors, maintenant, on va parler d'un des membres de son groupe, Children of the Corn, Cameron. Cameron, il prend un peu de retard sur Maze. Mais là, il est sorti l'explosé. Maintenant, Cameron arrive à trouver un deal en solo. Il signera sur le label Undies. Undies, c'est le label de Notorious B.I.G. et d'un mec de Brooklyn qui est un financier, on va dire, un mec qui a besoin d'investir de l'argent et qui s'appelle Un. Lance Riviera, a.k.a. Un. J'en ai déjà parlé dans une spéciale Jay-Z et tout, parce que c'est ce mec-là que Jay-Z avait planté pour une histoire de bootleg et tout ça. Bref, Cameron se retrouve en face de Biggie à freestyler pendant 25 minutes. Et Biggie est conquis, il dit « Mec, je veux te signer ». Maintenant, Maze dira dans une interview plus tard que c'est lui qui a provoqué ce rendez-vous avec Biggie et Un, voilà, donc pour aider son gars Cameron. Bon, Cameron n'a jamais dit que ça c'était vrai. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se retrouve devant Biggie et il rappe pendant 25 minutes et Biggie veut le signer et Biggie va le signer. Et du coup, il va préparer son premier album et sortir son premier album qui s'appelle Confession of Fire. Et sur cet album, il y a un morceau qui s'appelle Horse and Carriage, qui sera le deuxième single de l'album. Et ce morceau, c'est Cameron featuring Maze. Maze fait un refrain où il chante. Le morceau est une tuerie. J'adore ce morceau, clairement. Et c'est le moment, comme j'ai dit, c'est le deuxième single, donc c'est le moment de tourner le clip. Et je vous parle souvent de cette part de business aux États-Unis où, aux États-Unis, quand quelqu'un vient en featuring sur ton album, tu le payes pour le featuring. Maintenant, si demain tu dois faire un clip avec lui, tu dois le payer pour son image. C'est comme ça aux États-Unis, c'est la règle. Donc, Cameron a besoin que Maze apparaisse dans le clip. Mais il n'a pas un budget de malade. Mais donc, il dit à Undies, donc à Biggie et à Un, on n'aura pas besoin de sortir de budget pour Maze, parce que Maze, c'est mon gars. On se connaît depuis qu'on est petit. Le basketball, tout ça. Tout ce que je vous ai raconté au début. Donc, je vais l'appeler, il va venir au clip. Et Maze a demandé une somme. J'ai plus la somme, mais c'était conséquent. Il a dit, si tu me veux, moi, pour le clip, c'est temps. Il a respecté les règles des États-Unis. Sauf que Cameron, lui, voulait qu'on respecte le code de la rue. T'es mon gars. Tu viens. Demain, t'as besoin de moi. Je viens gratuitement. C'est tout. On est des amis d'enfance. Donc, c'est comme ça. Moi, je me sers toujours de cet exemple, je l'ai dit plusieurs fois ici. Warren G a demandé un remix à Dr. Dre, Dr. Dre l'a fait payer. Il lui a fait un prix, mais il l'a fait payer. Et Dr. Dre et Warren G sont demi-frères. Quand tu vois ça, tu comprends que, ok, c'est mort. Les Américains, c'est l'argent d'abord, même l'argent avant la famille, et c'est complètement fou. Donc du coup, ça crée une embrouille entre Cameron et Maze. Et donc il fera le clip sans Maze. Et ce qui est fou, quand j'apprends cette histoire, ce qui est fou, c'est que le premier single de l'album de Cameron, pardon, c'est un morceau qui s'appelle 357, je vous le dis en français, 357 Magnum, où il reprend la musique du générique de la série Magnum. Morceau incroyable. Et dans le clip, il y a Maze. Maze n'est pas sur le morceau, hein, mais il y a une course-poursuite dans Harlem et tous les deux, ils se font courser, ils courent. Pendant tout le clip, il y a Maze. Alors, je sais pas si Maze a été payé ou pas, mais moi, je pense que non. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le premier clip et le deuxième clip? C'est-à-dire le deuxième clip où Maze a rappé, on l'appelle et tout d'un coup, il demande de l'argent. Je pense qu'il n'a pas demandé d'argent sur le premier clip. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ça a créé une embrouille et ceux qui connaissent Cameron, le personnage, savent que Cameron, c'est pas un mec qui a la langue dans sa poche. Donc, boum, il a commencé à raconter cette histoire partout en disant que Maze, il a pris la grosse tête. Voilà, Maze, on est des amis d'enfance. Maze l'est sauvé parce que, voilà, on reparle encore de ces histoires. Maze, il avait l'habitude d'aller coucher avec les femmes des autres.
quand les mecs cocus s'en apercevaient, ils voulaient tuer Maze, et c'était Cameron qui allait régler les histoires pour lui. Maze était très pauvre quand il était petit, et ça, ça sort de la bouche de Maze d'une interview très très récente. Il disait que il avait pas d'argent pour se payer des baskets, être fly, à être frais à Harlem. Je vous le répète, c'était important. Et quand tu l'étais pas, c'était dur à vivre. Cameron lui prêtait des baskets pour qu'il soit frais. Tout ça, il en avait, il disait, vas-y, prends celle-là, truc, nanana, je les porte pas trop. Vas-y, elles sont neuves, truc. Vas-y, mets-les. Il l'aidait beaucoup et tout. Donc Cameron, il a pas compris ce retournement de veste, entre guillemets, de Maze, qui était plus porté sur l'argent. Bref, ça fait que Cameron et Maze, à ce moment-là, séparés, rien du tout, allez, c'est mort. Il va y avoir encore d'autres choses plus tard, mais en tout cas, voilà, entre l'amitié est brisée. Toujours dans ce truc d'aller coucher avec les femmes des autres, il aura un beef, un clash vraiment subliminal, hein, sont dans le subliminal, avec Jay-Z. Non pas qu'il ait couché avec une des petites amies de Jay-Z, mais il aurait couché avec quelqu'un de chez la femme de quelqu'un de chez Rockefeller. La femme ou la petite amie, je sais pas. Et du coup, Dame Dash dira, ouais, si je te vois, je te casse la gueule. Donc, ça laisse penser que c'est peut-être une petite amie de Damon Dash. Mais les gens disent que pas sûr. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Et Jay-Z, parce que c'est Rockefeller, à un moment, il prendra les patins de cette personne-là et il enverra quelques petits tacles sur certaines de ses chansons. Maze répondra aussi. Ça sera un truc ridicule, mais pas personnel, parce que Maze n'a pas couché avec une petite amie de Jay-Z. Hein. C'était quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce truc de coucher avec les femmes des gens, ça devient un vrai problème. Mais on n'est pas encore au top de l'histoire, ça arrive. Bref, là, on arrive à son deuxième album studio qui s'appelle Double Up. Moi, comme je vous dis, je suis fan de Maze, donc j'attends son deuxième album comme un dingue. Il sortira un premier single qui s'appelle Get Ready, qui sera featuring Blackstreet, le groupe de R&B Blackstreet, et ça sera une reprise d'un classique de Shalamar, le groupe de funk. Moi, personnellement, je vois le clip, j'écoute le morceau, je suis comme un fou. J'adore. Il y a tous les ingrédients de Bad Boy dedans. Comment la musique est faite, c'est du Bad Boy. Maze, c'est Bad Boy. Le clip, comment il est brillant et tout, c'est Bad Boy. Donc je suis content. Pour moi, on est vraiment dans la lignée du premier album. J'achète ce deuxième album, Double Up, et quand je l'écoute, non. Alors, il y a 4-5 morceaux que j'aime bien. Mais l'album, en général, non. Et je me prends la tête, c'est-à-dire, je lui donne plusieurs chances, non. Même là, avant de faire cette émission, aujourd'hui, j'ai réécouté, j'ai pas pu aller au bout. Quelque chose s'était perdu. Et je vais vous rappeler encore, et je pense que c'est le contexte. La guerre East Coast-West Coast, même si Biggie et Tupac sont morts, on peut se dire, ah ben ils sont morts, c'est fini. Non. Snoop pense qu'il est prochain sur la liste. Puff Daddy pense qu'il est prochain sur la liste. Quand je dis prochain sur la liste, c'est-à-dire à se faire assassiner. Même Maze, il commence à avoir des craintes. Surtout que au moment où Biggie est à Los Angeles avant sa mort, Maze entend. Parce qu'il est là-bas, il participe à un match de basket, de charité, un truc d'artiste et tout. Et je crois que je l'ai déjà raconté dans un autre Roulette Driver, mais ils entendent les gens parler qu'ils se préparent quelque chose contre Biggie et Puff. Donc, lui, il appelle la sécurité de Biggie et Puff en leur disant, les gars, restez pas ici. Les gens, ils nous veulent du mal. Le soir où Biggie est mort, dans cette grande fête qu'il y avait sur Hollywood, mais ils n'étaient pas là. Mais à ce moment-là, il sortait avec Brandy, chanteuse de R&B. Chanteuse de R&B de Los Angeles, très important. Bah, il était chez elle. Il était avec elle, il a passé la nuit là-bas. Et ça lui a évité de se retrouver là-dedans. On ne sait pas si ce qui lui serait arrivé. Peut-être qu'il aurait été dans la voiture aussi, on ne sait pas. Donc, Maze, tout ça là, ça commence à lui peser, je pense. Et puis, il y a un truc que les gens disaient pas trop, mais
Je sais pas si ça marchait dans l'autre sens, mais en tout cas, les rappeurs de New York affiliés à Bad Boy, quand ils allaient à Los Angeles, ça se passait très mal. Ils pouvaient se faire braquer, se faire dépouiller leurs bijoux, des trucs comme ça. J'ai vu une interview de Mike Geronimo, qui était même pas affilié à Bad Boy, mais qui avait un morceau, ouais, produit par Puff Daddy, voilà, un morceau produit par Puff Daddy. Il s'est retrouvé là-bas, et il s'est fait, il était à l'hôtel à Los Angeles, il y a un gang de Capes, et il y avait Daz Dillinger dedans. Et il a entendu Daz Dillinger dire, elle, eux, c'est des mecs de New York, venez, on va leur mettre la pression. Ils ont dû se cacher dans l'hôtel. Maze lui-même, dont on parle aujourd'hui, il s'est fait dépouiller ses bijoux à Los Angeles, à cette époque-là. Donc, tout ça, ça pèse. Et je pense qu'ils avaient du mal à être focus. Quand je dis « ils avaient du mal », donc au pluriel, je pense Maze et toute l'équipe Bad Boy qui est autour, ils avaient du mal à être focus sur la musique à ce moment-là. Quand Biggie meurt, alors je parle pas de l'album de Puff Daddy, parce que le premier album de Puff Daddy, il est quand même fait quand Biggie est vivant, mais quand Biggie meurt, après, je trouve que la qualité de Bad Boy, c'est plus la même, mais c'est normal, ils ont du mal à être focus sur la musique. Premier album de Maze, bijou. Mais le deuxième, Double Up, moi, je suis déçu. Vraiment. Et je pense que ça correspond à la période, en fait. C'était vraiment une période très, très électrique, très, très bizarre. Donc voilà, moi, le deuxième album, alors il marchera pas autant que le premier. Il fera des chiffres quand même, mais on est loin du premier. Et voilà, ça sera... ouais, bof. Je le répète jusqu'à maintenant. J'essaye, mais... non. Il y a quelques morceaux, mais c'est pas un album de fou. Alors, la même année que cet album, Double Up, il va sortir un album de groupe, un album d'un groupe qui s'appelle Harlem World. Donc, pas le premier album, le premier album de Maze solo s'appelle Harlem World. Mais là, Harlem World, c'est le groupe. Et dans ce groupe-là, il y a sa propre sœur, il y a le rappeur Loon, qu'on a connu après signé chez Bad Boy, mais... là, c'était avant qu'il soit signé chez Bad Boy. Il faisait partie du groupe Harlem World. Il y a Cardan, pour ceux qui connaissent aussi un peu ce rappeur, que je suivais à l'époque, Blinky Blink et autres. Bref, c'est un groupe, ils sont plusieurs. Et le truc qui me marque, alors, ils sortent un premier single, qui s'appelle I Like It. Voilà, je vois le clip sur MTV. Et on est vraiment dans le truc à la Bad Boy, donc moi, ça me plaît. Mais, le truc qui me marque, c'est que ça sort pas chez Bad Boy. Maze a monté son propre label, All Out. Jusque-là, tout va bien, je me dis, bah ouais, il s'est fait de l'argent, il veut produire, il produit les mecs de chez lui, un groupe, il y a même sa sœur dedans, bon, tout est normal. Mais je vois qu'il est en coproduction avec Soso Def, le label de Jermaine Dupri. Et là, je trouve ça bizarre. Je me dis, t'es un rappeur, t'es Maze. T'es avec l'un des plus grands producteurs du pays, un rap, Puff Daddy, Bad Boy. Ton premier album sort, il vend plus de 3 millions d'albums. Un succès. Donc ça veut dire que t'es chez le bon producteur. Et tu t'associes pas avec lui, tu t'associes avec Jermaine Dupri. Alors, je suis pas en train de dire que Jermaine Dupri, ça marche pas. Hein. Ça marche aussi, énormément. Je suis un grand fan de Jermaine Dupri et de Soso Def. Mais ce que je veux dire, c'est que Puff Daddy, il est à côté de toi. Et là, je repense à Biggie, qui a fait la même chose avant Maze. Avec son label Undies, il s'est associé avec Un. Pour monter son label, il s'est pas associé avec Puff Daddy. Et plus tard, on comprendra pourquoi. C'est parce que Puff Daddy carottait Biggie sur les contrats. Eh bien, moi, à ce moment-là, quand je vois marqué Soso Def All Out derrière le disque de Harlem World, l'album qui s'appelle The Movement, je me dis la même chose. Puff Daddy doit arnaquer Maze dans les contrats. Plus tard, ça sortira. Donc voilà la raison pour laquelle cet album sort ailleurs. L'album fera disque d'or. L'album, c'est pas un truc de fou, mais il y a quelques morceaux qui sont bien. Le single I Like It, il y a un morceau qui s'appelle Cali Chronic, qui est une West Coasterie incroyable, sachant qu'ils viennent de New York. Le morceau tue. Il y a un autre morceau qui s'appelle Fiesta, je crois. Bref, l'album est sympathique. C'est pas un truc de fou, mais sympathique. Ça fait quand même disque d'or et c'est cool. Mais voilà, moi, ce que je comprends en tout cas, c'est que ça se passe pas bien en coulisses. À cette époque-là, on n'est pas très internet, on est encore dans les magazines, ça sort tous les mois, donc tu dois attendre le mois d'après pour voir s'il y a des news à propos de ça, alors que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Maze, il serait monté directement sur son Twitter ou son Instagram, il aurait fait une vidéo, il aurait écrit « Ouais, voilà, avec Puffy, ça se passe pas bien et tout. » Là, à cette époque-là, nous, en plus, en France,
On n'est pas au courant. Mais moi, j'imagine que la même année, coup de théâtre, Maze annonce qu'il arrête le rap et qu'il devient religieux. Il rentre dans le christianisme vraiment à fond. Donc il ne peut pas être rappeur en même temps. Donc voilà, et on apprendra un peu plus tard qu'il deviendra pasteur. Wow! Moi, quand je vois cette nouvelle, je suis choqué. Mais après, quand c'est la religion, tu te dis... Enfin, moi, je me dis, s'il a trouvé le salut dans la religion, qu'il y aille. C'est noble, c'est bien. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il fuit quelque chose. Et moi, personnellement, je suis persuadé qu'il fuit tout ce truc de East Coast, West Coast. Parce que je le répète, c'est pas parce que Tupac et Big sont morts que ça s'arrête. Il y a énormément de tensions. Tu peux pas faire ton boulot de rappeur tranquillement. Los Angeles, c'est une grande ville. T'es un New Yorkais, tu dois aller là-bas faire de la promotion. Et on te dit, ouais, mais tu peux avoir des problèmes parce que les tensions East Coast, West Coast, c'est compliqué, c'est pesant. L'album Double Up n'a pas eu les chiffres du premier album. Donc tu te dis, ouais, que tout ça, c'est les... Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Il fuit ces tensions East Coast, West Coast. Plus tard... En me plongeant vraiment dans l'histoire de Maze, j'ai découvert que c'était pas ça qu'il fuyait, mais il fuyait bien quelque chose. Et c'est un truc de malade, et c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Il fuyait rien sur la West Coast, il fuyait quelque chose sur la East Coast. Même pour être précis, New York, Harlem. On revient à cette histoire de Maze qui couche avec les femmes des gens. À un moment, il couche avec... la femme d'un gros gangster, un gros dealer de New York, un gangbanger de New York. Ce mec s'appelle Baby Maine. Baby Maine apprend que Maze a couché avec sa femme et dit « Je vais le tuer ». Ça, c'est pas des mecs qui viennent et qui vous mettent des gifles ou qui vous mettent des coups de poing. C'est vous font disparaître de la planète, c'est leur métier. C'est pas un rappeur, Baby Maine. C'est un gangster. Donc il a dit « Je vais le tuer ». Ça arrive jusqu'aux oreilles de Maze. Maze est d'Harlem. Il connaît ce mec. Il sait que ce mec ne rigole pas. Donc, il se dit, je déménage à Atlanta. Et c'est déjà comme ça que ça commence. C'est pour ça aussi que l'album du groupe Harlem World, il est fait avec Jermaine Dupri de Soso Def. Jermaine Dupri, Atlanta. Il déménage à Atlanta pour fuir ce Baby Maine. Donc du coup, il en profite pour faire des affaires avec Jermaine Dupri. Mais au bout d'un moment, il se dit, mais si je reste dans le rap, je vais être amené à croiser ce gangster parce que je vais devoir bouger. Si je reste dans la religion, alors c'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui est en train de le juger, c'est ce qu'on dit. Il s'est dit, si je reste dans la religion, on ne peut plus m'attaquer. C'est Dieu, tout ça, machin. Donc, il se serait mis dans la religion pour fuir ce Baby Maine. Mais quand il part à Atlanta, il n'est pas encore dans la religion. Il prépare l'album d'Harlem World et il dit à un autre gangster de New York qui s'appelle Pop Lotti. Il lui dit, il n'y a plus rien à New York pour toi. Arrête d'avoir cette vie de gangster. Viens avec moi à Atlanta. Je recommence ma vie là-bas. C'est bien là-bas pour les Renault à Atlanta. Viens. Pop Lotti se laisse engrainer par Maze, et c'est quand même Maze, et il se dit « Ok, vas-y, je te suis à Atlanta ». Sauf que l'histoire, les bruits de couloir disent que Maze, quand il prend Pop Lotti avec lui à Atlanta, c'est plus pour le défendre. Parce qu'il sait que Baby Maine viendrait le chercher à Atlanta. Et il s'est dit « Il me faut quelqu'un ». Et il sait que ce Pop Lotti, il n'a pas peur de Baby Maine. Donc en vérité, il a un peu monté Pop Lotti contre Baby Maine. Et le truc qui est dingue, c'est qu'ils se sont entretués. Baby Maine est mort le premier. Pop Lotti est mort plus tard. Et tous les gens d'Harlem disaient que c'était la faute de Maze. Il les a montés les uns contre les autres. Il n'a pas su régler, gérer sa propre histoire. Donc il est parti prendre Pop Lotti dedans. Il l'a ramené à Atlanta, tout ça. Bref, tout est parti en vrille. Et les gars sont morts. On dit que c'est de la faute de Maze. Maze, ensuite, il rentre dans la religion, mais il en devient pasteur. C'est une chose de rentrer dans la religion. Mais être pasteur, c'est vraiment que... on a un niveau élevé dans la religion. Et du coup, pendant un moment, on dit rien, mais à Harlem, les gens ne le voient pas comme moi. Je le voyais, oh, il est dans la religion, c'est bien.
Beaucoup de gens à Harlem qui disent, on sait pourquoi il est rentré dedans, il est parti se cacher, c'est pas sincère son truc. Donc voilà, jusqu'où cette histoire de coucher avec les femmes des gens l'a amené. Vraiment, c'est, il y a eu des morts en fait. Donc c'est plus marrant du tout. Donc pendant longtemps, on n'entend plus parler de Maze dans l'univers du rap. Il est parti. Il est dans la religion, c'est fini. Entre-temps, il y a d'autres rappeurs qui arrivent comme Fabulous, avec le même flow, paresseux. Tout, moi, la première fois que j'entends Fabulous, je dis « Oh, c'est Maze. Oh, il rappe comme Maze. » Oh, dans la spéciale Fabulous, j'en parle. Hein. Fabulous, il arrive carrément sur une compile de DJ Clou, donc c'est à l'époque où Maze rappe encore, et Fabulous s'appelle Fabulous Sport. Ils sont sur le même morceau qui s'appelle That's the Way, je crois que c'est That's the Way, ou I Like It, bref. Et il rappe pareil, les mecs. Bref, Maze n'est plus dans le circuit, donc Fabulous, lui, s'installe, et il a un truc, ok, il a des chansons pour les filles, mais il a des chansons très gangsta aussi. Donc j'ai l'habitude de dire, Fabulous, c'est Maze en plus gangsta. Bref, il y a Loon qui arrive, donc Loon qui était dans le groupe de Maze, Harlem World, finit par signer chez Bad Boy, et notamment le single de Puff Daddy, I Need a Girl, que ce soit la version normale avec Usher ou le remix avec Gene Wine, Mario Winans, il y a Loon, quoi qu'il arrive, et lui aussi, il a ce flow très paresseux comme Maze, tout ça, machin. Donc, en vérité, Fabulous et Loon, ils occupent le terrain et on ne pense plus à Maze, en fait. On s'en fout qu'il fasse un retour, on veut pas. Et au bout d'un certain nombre d'années, ce retour arrivera. Il va rapper sur un double album de Nelly qui s'appelle Sweatsuit. Il sera sur un morceau, c'était cool, moi j'étais content de l'entendre, mais surtout pour moi, le vrai retour, ça sera sur le remix de Lean Back de Terror Squad, quand il va arriver sur le remix de Lil, c'est Lil Jon qui fait le remix, et il y aura Eminem, il y aura Maze, c'est Maze qui commence d'abord, et ensuite il y a Eminem, ensuite il y a Fat Joe, je crois qu'il y a Remy Ma dessus encore, je sais plus. En tout cas, il y a les gros invités, c'est Maze qui fait son retour, et Eminem on fire, qui lâche un couplet incroyable. Donc, le couplet de Maze aussi, pareil, il est analysé par tout le monde. On analyse son couplet, on veut voir si Maze, il est en mode pasteur, s'il vient pour nous faire un rap chrétien, entre guillemets. Et en fait, quand on écoute Lean Back, on se rend compte que non. Il est venu en découdre rapologiquement, et il est comme il était avant de rentrer dans la religion. Donc déjà, ça fait se poser des questions. Était-il sincère? Oui, non, je sais pas, on se pose des questions. Moi, je suis perdu. Et je veux pas, en fait, savoir s'il était sincère ou pas. Je veux juste savoir si sa nouvelle musique est bonne. Et honnêtement, ce qu'il fait dans l'album de Nelly, c'est cool. Ce qu'il fait sur Terror Squad, c'est carrément chaud. Donc je me dis, et s'il sort un nouvel album? Ce qui sera chose faite, avec un album qui s'appelle Welcome Back. Et premier single qui s'appelle Welcome Back et qui est très cool et tout, où on voit Maze là où on l'a laissé, il danse, il est souriant, ça rappe laid back, ça chantonne un peu au refrain, tout c'est cool, c'est un refrain où les enfants lui disent tu nous as manqué, et il revient, il dit je suis là maintenant, mais c'est juste que je suis que avec des bonnes énergies aujourd'hui, grâce à la religion et tout ça, moi je me dis ok, pourquoi pas. Donc l'album sort, et honnêtement, quand l'album sort, je l'aime cet album. Il y a un autre single qui s'appelle Breeze, où c'est un truc vraiment pour danser, le morceau il est super chaud. Il y a tout l'album, je le trouve vraiment chaud, il y a toujours ce mix hip-hop et R&B, et je trouve Maze là où on l'a laissé, mais je trouve Welcome Back meilleur que Double Up, au moment où il sort. Maintenant, pour dire la vérité, Je l'écoute, et à un moment, j'arrête de l'écouter. J'arrive plus. Et j'ai l'impression que cet album-là, il manque quelque chose. C'est pas un album qui s'écoute longtemps. Et du coup, j'en suis déçu, mais à retardement. Il ne rentre pas dans la catégorie du premier album, Harlem World. Pour moi, il rentre dans la catégorie Double Up, où c'est les albums de Maze. Non, en fait, non. Et c'est vraiment bizarre, hein, parce qu'au moment où l'album sort, je l'écoute énormément, je suis d'accord avec ça. Et il y a eu un moment, ça s'est arrêté, et quand j'ai voulu le remettre, j'arrivais pas. Et pareil,
Avant de faire cette émission, je me le remets, j'arrive pas à aller au bout. C'est vraiment Harlem World, mon album préféré. L'album préféré du public en général. Mais voilà, l'album fera disque d'or. Ce que ça veut dire qu'il vendra moins que Double Up. Double Up, c'est platine 1 million. Et Harlem World, le premier, c'est 3 millions, même plus. Donc ça fait que de baisser. On est chez Bad Boy, Puff Daddy met des moyens. Tu termines tes Maze, tu termines disque d'or. C'est une défaite. Il n'est pas content. Et ce qui est dingue, c'est que pendant la promo de cet album-là, il est à la radio à New York dans l'émission de Miss Jones. Et il y a des gens qui peuvent appeler au téléphone pour poser des questions à Maze et tout ça. Et il y aura Jim Jones qui va prendre le téléphone et qui va lui dire « Arrête de mentir aux gens ». Je rappelle qu'à ce moment-là, il est en embrouille avec Cameron, donc il est en embrouille avec Dipset aussi. Et Jim Jones prendra le téléphone en disant « Maze, arrête de mentir aux gens. Tes trucs de religion, tout ça, t'es un menteur. On sait tous pourquoi t'es allé là-dedans, t'es allé te cacher. Parce qu'à cause de toi, il y a deux gangsters de chez nous qui sont morts, Baby Maine et Pop Lotti. Tout ça, c'est à cause de toi et tout. » Et t'as Miss Jones, donc qui est l'animatrice de l'émission, qui dit « Mais qui sont ces gens dont tu parles, Jim? Qui sont ces paroles ?» Et Jim dit « Mais t'as qu'à demander à Maze qui sont ces gens. Demande à Maze. » Et là, elle demande à Maze « Qui sont ces gens ?» Et Maze, il dit « Oui, ce sont des gens qui nous ont quittés, qu'ils reposent en paix. » Jim Jones, il dit « Ouais, mais dis la vérité. Dis pourquoi ils nous ont quittés. Dis. » Et Maze n'arrête pas de répéter « Que Dieu te protège, que Dieu te garde, Jim. » Tout ça. Il botte en touche. En mettant la religion devant. Et voilà, mais Maze sait qu'à ce moment, il est vraiment inconfortable et il n'a pas d'argument. Il fait que dire que Dieu te garde, que Dieu te protège, Jim, tout ça. Et Jim, il n'arrête pas de dire, dis la vérité aux gens, dis pourquoi ces mecs-là sont morts et tout. Donc voilà, ça sabote un peu à New York. Hein. Ça sabote un peu la promo de Maze avec Welcome Back, mais seulement à New York, à l'extérieur, ils sont moins concernés, parce que les gangsters en question qui sont morts, c'est vraiment des gangsters new-yorkais, qui sont connus qu'à New York à cette époque-là. Donc voilà, mais voilà, lui qui voulait une meilleure énergie, l'énergie est pas super bonne, et il va refaire une pause, je crois. Alors, oui, il fera bien une pause. La pause va durer un peu moins longtemps que la dernière, mais il fera une pause quand même. Ça veut dire, là, moi, je me dis, ça a pas marché, son retour. En vrai, hein, si on fait le bilan, ça a pas marché. Il y a toujours de mauvaises énergies à cause de ces histoires de gangsters qui se sont entretués à cause de lui. Donc, je me dis, bah, il s'en va, hein, il retourne là où il était. De toute façon, il vit plus à New York et tout ça, machin, le pasteur, voilà. Sauf que son nom va réapparaître dans le rap game et va réapparaître avec le G-Unit. C'est un moment où le G-Unit, ça y est, 50 Cent est installé, il a tout explosé depuis un moment. Lloyd Banks, Young Buck, tout ça, ils ont des albums qui sont platine. The Game est passé par là, le premier album de The Game est platine, multi-platinum même. Tony Ayo est là, tout. Bref, ils se disent, il faut des nouveaux artistes, ils ont signé M.O.P., et ils veulent signer Maze. Le revoilà, encore. Mais il va commencer à rouler avec le G-Unit sans avoir signé le contrat. Parce qu'il appartient encore à Bad Boy, le label de Puff Daddy. Donc il va falloir que 50 Cent négocie avec Puff Daddy pour récupérer le contrat de Maze et pour avoir Maze et G-Unit. Ok ? Là, c'est clair. Mais en attendant, faut bien que Maze commence à travailler. Donc Maze va participer à la tournée de G-Unit, une tournée mondiale qui passera par la France. Je me rappelle être allé à Bercy voir le G-Unit. Donc il y avait tout le monde, il y avait Olivia, il y avait M.O.P., il y avait tous les Lloyd Banks, Bob, tout ça, Tony Yeo, bon, The Game était parti. Mais il y avait Maze qui est venu, qui est monté sur scène juste pour rapper son couplet de « Mo Money, Mo Problem », le morceau de Biggie, et c'est tout. Mais c'est pour bien dire aux gens « Hey, il est avec nous et on va faire avancer le business pour qu'il soit signé officiellement. » Sauf que, il va sortir des mixtapes pour être vivant. Pour bien montrer qu'il est avec G-Unit, des mixtapes, DJ Wookid, DJ G-Unit et tout. Et plein de featuring des membres de G-Unit sur ces mixtapes.
Et il va adopter ce truc du G-Unit qui est les clashs, faire piquer des gens et tout. 50 Cent adore faire ça. Ça lui a toujours apporté du buzz. The Game s'est mis à faire ça aussi quand il était là-bas. Donc tout d'un coup, Maze, dont c'est pas la spécialité, si je dis pas rapologiquement parce qu'il vient du battle, mais il est pas connu pour ça. Il est connu pour faire des morceaux pour les filles ou pour les clubs. Mais là, il va commencer à piquer des gens, notamment Fabulous et Loon, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais qu'ils avaient le même flow et que ouais, leur flow était assez inspiré de Maze, on va pas se mentir. Mais Maze a commencé à les piquer en disant « Dites à tout le monde que je suis votre père. Vous pouvez pas faire comme si j'étais pas là, comme si vous aviez inventé quelque chose. » Alors ça va créer des réponses de Loon de son côté, de Fabulous du sien. Bon, les réponses de Loon étaient bof, mais celle de Fabulous, elle est magnifique parce qu'il a il a repris un morceau de 50 Cent, donc vous voyez la symbolique. Maze vient de s'affilier à 50 Cent, lui reprend un morceau de 50 Cent, qui était un morceau contre Ja Rule, et qui figure, hein, qu'il avait remis sur une version de Get Rich or Die Train. Le morceau Murder, I don't believe you, Murder, il parlait de Ja Rule 50. Le label de Ja Rule, c'était Murder Inc. Et à chaque fois, Ja Rule disait « It's murder !» Donc c'est mortel, c'est meurtrier, c'est, on est, voilà, on est des meurtriers, on est des gangsters, quoi. Et en gros, il disait « Je peux pas croire que tu sois murder, je peux pas croire que tu sois gangsta, c'est impossible, et tout ça. » Et dans ses couplets, il disait pourquoi, et voilà, il attaquait Ja Rule. Sauf que là, quand Maze roulait avec le G-Unit, il se dit « Je vais m'appeler à nouveau Murder Maze parce que je suis entouré de mecs hardcore, c'est le G-Unit. » Tout d'un coup, il redevient hardcore. Donc, quand Fabulous reprend le morceau et dit « I don't believe you murder » pour le Murder Maze, donc c'est super bien joué, c'est malin et les couplets sont super bien, c'est tiré d'une mixtape que j'ai quelque part ici. Donc, voilà. Je trouve que la réponse de Fabulous est réussie, celle de Loon un peu moins. Mais voilà, il a ça, il a son, ses petits beefs, ses petits clashs, mais il est toujours pas signé officiellement chez G-Unit. Et donc, 50 Cent va devoir négocier avec Puff Daddy. Puff Daddy dira, je suis facile à joindre pour 50 Cent. 50 Cent a l'argent pour acheter le contrat de Maze, donc je suis ouvert à la discussion. Déjà, quand Puff Daddy dit 50 Cent a l'argent pour racheter, ça veut dire déjà que lui, il a une idée du prix et que ça va être cher. Ça sera 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, 50, il les a. C'est pas un problème. Mais Maze ne les vaut plus à ce moment-là. Comme je vous ai dit, il sort des trucs, mais les ventes descendent à chaque fois. Il n'est plus à la mode. On parle de clash avec Fabulous. Fabulous vend. C'est Fabulous qui a la mode. Loon ne vend pas spécialement, mais il a fait ses trucs avec Puff Daddy qui ont créé un peu de buzz. Mais c'est Fabulous qui est à la mode. Fabulous, il vaudrait plus que 2 millions à ce moment-là. Mais pas Maze. Maze, en vérité, G-Unit doit reconstruire pour lui. Donc, il n'est pas question de donner 2 millions juste pour le récupérer. Ces 2 millions-là, ils peuvent servir justement à la reconstruction de Maze. Donc, 50 dira à Puff Daddy, tu te fous de la gueule des gens, tu sais très bien qu'ils ne coûtent pas 2 millions, tu me prends pour un imbécile, non seulement je ne vais pas te payer, mais à partir de ce moment-là, 50 il a commencé à clasher Puff Daddy comme jamais. Donc voilà. Et c'est ce qui fait qu'au final, Puff Daddy bloquera l'éventuelle signature de Maze chez G-Unit, et ça ne se fera pas, et Maze retournera encore à une autre pause. On ne verra plus dans le rap. Alors oui, on n'entend plus parler de lui, mais il y a beaucoup de rappeurs de la nouvelle génération qui sont comme moi, qui ont écouté Maze et qui l'aiment toujours. Et ces rappeurs de la nouvelle génération commencent à avoir du succès, ont du succès et essayent de travailler avec Maze. Il y aura par exemple Kanye West qui va tourner autour de Maze, qui voudra le signer et ça se fera pas. Il y aura Drake, tournera autour de Maze, qu'il invitera à un festival, truc, machin comme ça. On les verra ensemble, mais ça se fera pas. Bref. Ces beefs, ces clashs, avec Fabulous, ça va se régler, ça va se calmer. Avec Cameron, ça va se régler. Avec Jim Jones, même Jim Jones s'excusera par rapport au coup de téléphone, tout ça, ça va se calmer. Cameron et Fabulous diront tout le bien que l'un pense de l'autre et tout, et ça c'est cool, sachant que quand Cameron il se met sur tes côtes, il peut être très très relou. Là c'est cool en fait que
qui squash ses bifs. C'est juste qu'avec Loon, ils sont pas, ils ont pas enterré l'âge de guerre, mais ils ont pas relancé non plus. De toute façon, Loon est devenu musulman, lui aussi il est dans la religion, il est dans le bien en fait, donc il a pas attaqué spécialement Maze depuis. Il y a un autre gros clash en fait dans sa carrière qui se fera, qui se calmera, qui reviendra, qui se calmera, c'est avec Puff Daddy. Parce que je vous disais tout à l'heure que quand je vois Maze sortir l'album de son groupe Harlem World en coproduction avec Soso Def et non pas avec Bad Boy, je comprends qu'il y a des arnaques au niveau des contrats sur la carrière de solo de Maze. Ça s'est avéré vrai. Du coup, des fois, il prendra la parole sur les réseaux sociaux quoi, et il incendiera Puff Daddy, et notamment un jour où Puff Daddy s'est plaint des Grammy Awards du fait que la black music soit très mal représentée. Et ils disent qu'il faut arrêter de ne pas prendre la black music au sérieux et tout ça. Et lui, il répondra sur les réseaux sociaux. Puff Daddy, avant d'aller chercher qui fait du mal à ta communauté, toi déjà, comporte-toi bien avec les gens de ta communauté. Ça fait 24 ans que tu as mes éditions, mon publishing, comme on dit aux États-Unis. J'ai déjà expliqué ici, mais pour vous la faire courte, ce sont les revenus générés par les droits d'auteur de Maze. C'est Puff Daddy qui les appartient, dit, ça fait 24 ans, il dit, tu me les as pas achetés, mais signés, voilà, c'est le mot. Tu me les as signés contre, $20,000. Vous vous rendez pas compte? Mais dans l'industrie de la musique américaine, c'est rien du tout, $20,000, surtout pour des éditions, c'est-à-dire les droits générés par l'écriture, tous les textes que Maze va écrire, Puff Daddy va prendre cet argent. Et lui, il dit, il y a bien longtemps que tu aurais dû me redonner des avances, plus d'argent, quand tu vois tout le succès qu'on a fait. Il dit, tu m'as donné $20,000 en production, ça veut dire l'argent généré sur les ventes des disques, tu m'as donné que $15,000. Donc, tu sais très bien que j'ai un contrat d'esclave chez toi. Donc, au lieu de parler de comment les Grammy traitent les Noirs, moi, j'aimerais savoir comment toi, en tant que Noir, tu traites les Noirs. Donc, rends-moi ma liberté en termes de publishing, c'est-à-dire, je suis prêt à te racheter mes éditions de publishing, que toi, tu m'as acheté $20,000, je suis prêt à te donner 2 millions pour les récupérer. C'est une bonne affaire. Vends-les-moi. Puff Daddy ne répond pas. Et il dit, et en termes de production, tu m'as fait capoter ma signature chez G-Unit, libère-moi, ça suffit. Puff Daddy ne dit rien. Maze passe son temps à cracher sur Puff Daddy sur les réseaux sociaux. Entre-temps, Puff Daddy doit organiser un concert Bad Boy, alors une réunion, je sais plus combien d'années après, il a dû faire les 10 ans, les 20 ans, les je sais pas combien d'années, donc il l'a fait plusieurs fois, et à chaque fois, il a besoin que son catalogue, les rappeurs encore vivants de son catalogue, viennent rapper à ses concerts. Donc il contacte Maze en lui disant, il y a une réunion sur scène, on fait une tournée, faut que tu sois là, sachant que Maze lui crache dessus tout le temps. Mais Puff Daddy dit, voilà, pour la tournée, voilà l'argent que tu vas toucher, tu toucheras tant. Et Maze, quand il voit l'argent qu'il va toucher, il accepte et il se tait. Tout d'un coup, il n'a plus rien contre Puff Daddy. Il s'affiche avec lui. Là, au moment où je fais cette vidéo sur Netflix, il y a un documentaire sur une tournée réunion de Bad Boy qui est disponible sur Netflix au moment où je fais la vidéo. On voit Maze, ils sont là en train de rigoler. Puffy est en train de lui expliquer la vie et tout. Et là, tout est cool. Il faut savoir qu'avant cette tournée, ils étaient en embrouille. Puff Daddy, il met de l'argent sur la table, vient faire le concert, et Maze accepte. Il oublie qu'il a des choses à reprocher à Puff Daddy. Et ça, c'est les États-Unis. C'est un truc qu'en France, nous, bon, il doit y avoir des exceptions, mais c'est pas la mentalité française. Moi, en France, je suis en embrouillé avec toi, je suis en embrouillé avec toi. Aux États-Unis, moi, pour moi, ça me dépasse. C'est fou, en fait. Et
Ce qui est dingue, c'est que quand il fera cette tournée, voilà, cool, il a été payé, la tournée est terminée, il recommencera à cracher sur Puff Daddy, 10 ans plus tard, il y aura une tournée, un truc à faire, il mettra de l'argent, et il viendra. C'est fou, je ne comprends pas. Bref, le truc qui est dingue, c'est que finalement, après je sais pas combien d'années, il se retrouve à la radio, je crois que Puff Daddy est invité, mais ils arrivent en surprise, et ils discutent, et finalement, ils tombent d'accord, et Puff Daddy accepte de de la liberté en tant que production, c'est-à-dire ne sera plus signé sur le label Bad Boy, sera plus obligé de sortir des albums sur le label Bad Boy. Il lui rend sa liberté, Maze est content, mais qu'est-ce qu'il en fait derrière? Rien. Trop de temps est passé, il n'est plus à la mode. Ça y est, la trappe est dedans, on est dans la domination du Sud. C'est compliqué, on entend Maze une fois faire un couplet de temps en temps, on entend qu'il fait un concert une fois de temps en temps, mais il n'est pas très actif, et là je me dis, ok, là c'est vraiment fini pour lui. Et ça me rend triste, hein, parce que je l'aime bien Maze, moi. Mais, c'est plus tard que je comprends que il s'est mis dans le business pour de vrai, et il était prêt à devenir un homme de l'ombre, donc être derrière, quand j'apprends qu'il est celui qui a découvert Favio Foreign, Favio Foreign qui est un jeune rappeur de New York, et qui est dans la mouvance drill, UK drill. Il fait ça, et c'est un mec qui cartonne bien à New York, qui est un espoir hein, du rap new-yorkais pour exploser nationalement. L'album de Favio est sorti, il est plutôt cool, il a des bêtes de featuring, il a un bon buzz et tout ça. Mais j'ai vu dernièrement Favio Foreign se plaindre, dire que Maze l'avait arnaqué. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait trop long, mais il dit que Maze l'a arnaqué, Maze lui a donné très peu d'argent au début, à sa signature et tout ça, qu'il a arnaqué. Que finalement lui il a signé ailleurs en major, mais que Maze détient encore beaucoup de droits sur lui, et que au final, même comme son album est sorti et qu'il a fait des chiffres, lui il ne s'y retrouve pas, il a quasiment rien gagné. Il dit que c'est très compliqué parce que Maze l'a arnaqué dès le départ à la signature du contrat. Maze a dû sortir et se retrouver dans un podcast pour s'expliquer. Il explique que c'est pas vrai, il dit que je lui ai donné que ça, mais je lui ai donné ça, c'était beaucoup plus et tout ça. Mais ce qu'on comprend de loin, c'est que Maze pourrait, j'utilise bien pourrait, être devenu comme Puff Daddy. Tout ce qu'il reprochait à Puff Daddy, il est peut-être en train de le faire à Favio Foreign. Alors Maze te dira que non, mais comme Puff Daddy, si tu vas le voir, tu lui dis, est-ce que tu as un arnaqueur? Il te dira, non. Donc voilà, tout le monde a ce truc, mais je trouve ça, si c'est vrai qu'il a arnaqué Favio Foreign, franchement, je trouve ça horrible en fait. Tu peux pas, pendant toutes ces années, t'être plein de Puff Daddy pour faire la même chose à un autre artiste, un jeune artiste. Mais en vérité, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était Roule avec Driver spécial Maze. Maze, c'est quelqu'un qui aurait dû avoir une très grande carrière. Et finalement, il l'a pas eu. Tu sais que le mec, il a un potentiel énorme, mais ça sort jamais dans les bonnes conditions. Il y a toujours des histoires. On s'interroge sur sa sincérité par rapport à la religion et tout ça. Bref, quand tu viens avec un premier album comme Harlem World, t'es chez Bad Boy, c'est-à-dire grosse machine, et tu te dois de fournir un gros deuxième album pour avoir une grosse carrière. Et je pense que lui, tout ce qui s'est passé autour, ça l'a mangé en fait. Et puis, il ne faut pas coucher avec les femmes des autres. Maze, bordel. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, il y aura une playlist juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Appuie sur la cloche si c'est pas déjà fait. Va regarder mon nouveau clip qui s'appelle Costo featuring Jimmy Sissoko et Touko, Costo Remix. Et voilà, hein, on se dit à la semaine prochaine. C'était Roulé avec Driver. C'est clean.